On commence les news avec l'annonce de la semaine et elle concerne Halo 5 Guardians. Le teasing pour ce nouvel opus tant attendu a commencé. Chaque semaine, jusqu'à l'E3, vous pourrez retrouver, à l'adresse qui s'affiche, un fichier audio mettant en scène Benjamin Giraud, un journaliste ayant connu la guerre et nous dressant le portrait du Master Chief. Souvenez-vous, le mois dernier, nous vous avions proposé un Insider spécial Call of Duty Championship pour les finales européennes qui avaient lieu à Londres. Et bien sachez que vous retrouverez dès mercredi un récapitulatif complet de la finale mondiale à Los Angeles. Nous serons avec les Vitality X, les Hyper Games et les Ascensia pour vous faire vivre les meilleurs moments de cette compétition qui s'annonce déjà forte en sensations. Si vous souhaitez revivre la finale européenne, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et pour la finale mondiale, rendez-vous ce mercredi. Les premières infos de la mise à jour d'avril de la Xbox One sont tombées et cette fois-ci, ce n'est pas une, mais deux mises à jour qui auront lieu. La première ajoutera des fonctions pour les discussions de groupe et sur le flux d'amis. Pour plus d'infos, nous vous ferons un petit tuto avec tous les détails très bientôt. Avouons-le, c'est toujours assez frustrant de regarder un Fast and Furious pour ensuite prendre le volant de sa vieille Fiat Panda, hein ? Eh bien réjouissez-vous, Forza Horizon 2 propose un standalone dédié pour la sortie de Fast and Furious 7. L'occasion rêvée de tester tous ces bolides en toute tranquillité. Et en plus, pas besoin d'avoir Forza Horizon 2 pour le tester. Le jeu reprendra l'ambiance du film et les voitures principales afin d'accomplir des missions dédiées. L'autre bonne nouvelle, le jeu sera accessible gratuitement aux membres Gold jusqu'au 10 avril. Life is Strange, le jeu des Français de Dontnod, continue de charmer son public. Cette semaine, l'épisode 2, Out of Time, est de sortie. Vous pourrez ainsi continuer l'histoire de Maxine et de son don de manipulation du temps. The trucker drops his mug. The cop gets an emergency alert on his radio. Le premier épisode laissait entrevoir un jeu plein de très bonnes surprises. Et ce second épisode n'est pas là pour nous décevoir. La série est prévue en 5 épisodes que l'on espère tout aussi captivants. Les fans de baston le savent, Mortal Kombat X sortira chez nous le 14 avril prochain. Ce 10e opus de la série proposera 24 personnages jouables et de superbes fatalities en version haute définition. L'autre nouvelle, c'est l'arrivée parmi les combattants de Jason et du Predator dans un pack supplémentaire. Si vous ne voulez pas le rater, le pré-téléchargement est déjà disponible. Finish him! Si vous faites plutôt dans la magie et le FPS, allez voir du côté de Ziggurat qui est maintenant disponible. Ce jeu, développé par Milestone Studio, offre un mélange des genres intéressant et dynamique et une multitude d'ennemis à détruire à coups de baguette magique. Si vous êtes intéressé, il ne vous en coûtera que 15€ et 1Go sur votre Xbox One. Slenderman est depuis peu rentré au panthéon des personnages de jeux vidéo véritablement terrifiants. Avec Slender The Arrival, vous allez une nouvelle fois signer pour une aventure cauchemardesque au fond des bois. Comme d'habitude, ici pas d'armes, vous ne pourrez que fuir pour atteindre la tour radio. Alors surtout, si vous croisez le Slenderman, courez vite et ne vous retournez pas. Non, non, vraiment, ne vous retournez pas. Un classique du genre débarque sur Xbox One en version remasterisée, j'ai nommé Oddworld. Cette licence, qui a débuté en 1994, fait un retour remarqué avec Oddworld New and Tasty. Dans ce remake, vous allez devoir sauver vos semblables de la sauvagerie de leur geôlier et leur éviter d'être transformés en nourriture. Le gameplay est un petit bijou d'époque et demandera du talent, une certaine maîtrise et une patience à toute épreuve. Pour les nouveaux comme pour les anciens, du challenge, du rire, des décors somptueux et un plaisir de jeu presque oublié. Pour terminer, nous vous donnons aussi le bon plan de la semaine. La console Xbox One est à 349€ seulement pour une durée limitée. Parlez-en à vos amis, vous avez jusqu'au 4 avril pour en profiter en cliquant sur le lien suivant. Vous avez manqué des infos, des sorties, pas de soucis, tous les contenus précédents sont toujours disponibles, il suffit de cliquer. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et pour nous faire part de vos remarques. Et bon jeu à tous !